Et La prochaine, je pars rebonjour, avec on ce véhicule. est sur le Crossland entre Amman et Barcelone. On a crashé une première fois. LQ15 monitor tower, Ensuite, frequency on 119 s'est decimal mu. 8 grey. Il faut espérer que ça ne soit pas la même. Je ne sais pas pourquoi on a 119 crashé, mais thank bon, you, left ça arrive. Et donc là, on est clear for push and start 08 right. On va partir à l'est. Venez face à l'est. Scandinavian 82 Bravo, push and start approved, face west. Push and start approved, face west. Thank you, Scandinavian 82 Bravo. Alors, faut juste que je fasse gaffe en reculant. J'étais à deux doigts de la collision, lui il me gêne. Grand Speedbird 500, we're ready for taxi 1x08 right. Speedbird 500, taxi 50, hold short Foxtrot. Taxi 50, hold short Foxtrot, Speedbird 500. Hey, tu veux pas commencer? Start. Attends que la météo se réactualise en temps réel. Lufthansa 001, request taxi. Lufthansa 001, taxi, find Sierra Echo, hold short Alpha. Sierra Echo, hold short Alpha, Lufthansa 001. C'est bien, j'ai pas attendu. Terrain 47 kilo after clear of the Lufthansa A320, push and start, please face west. Roger, after the Lufthansa, push and start up facing east, Jordanian 47 kilo. Number 500, contact taxi 5R, following point 1-0-8. VFR 1-0-8-5 for speedboat 500. What's 378, monitor tower 119 at decimal 8, great. 119 at decimal 8, have a nice afternoon, look at decimal 8. Grand Speedbird 500 or short Alpha. Speedbird 500, contact taxi 5 Alpha, holding point 0-0. Holding point Alpha 08 right for Speedbird 500. Speedbird 001, give way to Speedbird 787, then call your taxi 5 Alpha, holding point 0-8 right, catch 1015. Roger, can it 1015 after the 787 left to right via Alpha, holding point runway 08 right, Lufthansa 001. On est à Amman. Normalement, on a 4 heures de vol si tout va bien. Ground Walker 1582, we're at stand at Sierra 16, requesting push and start. Walker 1582, stand by for push and start, expect off log time 13032. Standing by, expecting 13032, Walker 1582. Number 500, monitor tower 119, at that point, getting. Contact tower 119 or decimal 8. Choose. Scandi 82 Bravo for taxi, please. Scandi 82 Bravo, taxi via Sierra Tango, Hotel Alpha. Scandi 82 Bravo, hello again, Speedbird 500. Speedbird 500, Queen Alpha Tower, good evening, continue holding 08 right. We continue to hold short 08 byte for speedbird 500.
Il y a du monde. Là, je vais couper la vidéo. On va se retrouver au point d'attente pour le décollage. 08, droite. Et donc là, cette fois-ci, on est au point d'attente. 08, droite pour un décollage vers Barcelone depuis Amman. Et moi, je vous reprends quand on sera aligné, autorisé au décollage. Allez, donc là, on s'aligne pour la 08, droite. Voilà. Et on attend notre autorisation maintenant de décoller. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Vers Barcelone, avec une arrivée tardive dans l'après-midi, mais bon, avant les convois, c'est plutôt pas mal. Mansfield 500, airborne frequency is going to be 128.9, the wind 0 degrees, 12, not cliff take out 0 right. Cliff take out 0 right, speed by 500. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Take off on the power set. Checked. Checked. Lufthansa 001, line up at way 08 right. Lufthansa 001, line up and wait on the 08 right. Thank you. B1. Rotate. B2. Positive, climb as gear up. Gear up. Traffic. Tower speedboat 500, the airborne. 500, roger, call him on 128.9, bye-bye. I'm an approach log, good afternoon, this is Speedbird 500 with you. Speedbird 500, hello, I'm an approach, identified 4000, continue climb 12000, maintain runway heading. Autopilot in command. Say again for Speedbird 500. Speedbird 500, maintain runway heading, initially climb 12000. We climb 12000, Speedbird 500. Flaps out. Allez, ça y est, nous arrivons à Barcelone. Après un peu plus de 4 heures de vol, on est avec le glide slope et on est établi, chance runway. Speed 500, no speed restriction. Roger that, and we are établi, chance runway 24 left. 25 left, sorry. Just to confirm, runway 24 right. You are clear for the ILS Zulu approach, 24 right. Oh, we are clear for ILS runway 24 right, speed by 500. Walker 1521, we established 24 right. Walker 1521, roger, contact tower 118.15.
118.1, welcome back to 1, thank you, bye bye. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé, et après, la tour sur la fréquence 118.100. 118.100. Eh bien, on est clair. Pourtant, être parti en retard, on arrive en avance, avec 5 minutes. 5 minutes gagnées. Grâce au vent, pas mal. Comme première. Par contre, ça. On a un speed break armé. On a 2-4 right cleared. Barcelona, hello, Alpaca Danos, Kilo, descending altitude 4,000 feet, airspeed 220 knots. Alpaca 900, Alpha Kilo, Barcelona, hello, radar contact, descend altitude 2,300 feet. 22,300, Alpaca Danos, Kilo. Speedbird 500, contact power 118.15. 118.12. Tower, hello, good afternoon. This is Speedbird 500, established 1x24, right. Speedbird 500, Barcelona Tower, good evening. Continue approach, number 2. Wind 220 degrees, 6 knots. Continue approach 20 knots for Speedbird 500. So the not aware speed of 500 established 24 right. Mais mes réponses bordel. A clear turn 24 right speed of 500.
Bien, ça y est, donc le Cross the Land est terminé pour cette édition du mois de février en direct ici en France, donc dans le 77 en Seine-et-Marne. J'étais très content, ravi d'avoir pu vous commenter ce Cross the Land. Vous l'avez vu, Payano et Saters n'étaient pas là sur la finale de la piste 24 droite. Et oui, à Barcelone, il y a trois pistes. Donc autant vous dire qu'il faut sélectionner la bonne, il faut se connecter en temps et en heure, et Payano n'était pas là, les haters n'étaient pas là. Preuve en est que nous avons pris des décisions fermes et que la plainte qui a été adressée contre Payano eh bien, a marché, et que des gens comme Clotilde, Anna, Lisa, etc., etc., eh bien, ça a fait ses preuves et ses dissuasions. Donc voilà, comme pour beaucoup qui m'accusaient à tort d'avoir hacké, piraté un site web et une base de données, eh bien aujourd'hui, il n'y a pas de preuves qui existent. Et comme je vous le disais dans mes vidéos précédentes, tous les événements maintenant seront faits sur un autre réseau. Et en fait, Payano n'a pas réussi à me faire suspendre. Mais bon, on verra ce soir maintenant sur les autres convois. J'espère que ce Cross the Line vous aura plu pour cette édition 2023. En tout cas, un grand merci à tous les acteurs qui ont pu permettre cette... cet événement, au contrôleur qui était là sans cesse. Ça a été un peu compliqué au départ d'Aman et à l'arrivée sur Barcelone, mais tout s'est très bien passé. Encore un grand bravo au contrôleur qui était là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ce que vous souhaitez une très bonne soirée. Merci de votre fidélité. Et moi, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde. Rendez-vous dans un prochain événement. Salut tout le monde. Tchuss. Donc, là où je m'adresse quand même à vous, pour vous qui regardez très régulièrement la chaîne et donc le dernier point vidéo que j'ai posté hier soir, donc dans la soirée d'hier soir. Pour beaucoup, comme pour Anna, Lisa, Clotilde, Julie, Mademoiselle E, qui m'accuse à tort et qui ne supporte pas mon travail, mais bon, c'est pas grave. Il faut bien comprendre la chose, messieurs, dames. Est-ce que c'est réellement moi le problème? Non. Maintenant, je suis désolé, mais comme vous le savez, je n'ai jamais piraté de gens, je n'ai jamais accusé, ni même piraté, ni même hacké de gens, je ne sais absolument pas le faire. Là, ce soir, vous avez eu la preuve concrète via le Cross the Land que Payano et ses haters voulaient vraiment faire chier. Et en fait, ils n'étaient pas là ce soir, donc la preuve existentielle qu'il a voulu m'emmerder pendant la semaine... Et que lors de l'événement du Cross the Land, ce qui est bizarre sur tous les événements qu'on fait pour le réseau Vatim, il n'est jamais là. Donc, ça veut dire une petite chose. Que maintenant, tous les événements qui seront proposés par des compagnies, peu importe lesquelles, seront faits sur un autre réseau, à part, sans date, sans horaire, sans rien, de façon à ce qu'il en sache le moins possible. Pareil pour les convois, il faut qu'il en sache le moins possible. Et c'est pour ça qu'on évite de communiquer des dates, des heures, pour éviter qu'il spawn, parce qu'il le sait très bien, il est rendu à 4 bannissements, 3 pour Spinou. Attention, attention, parce qu'au bout de 5, c'est un bannissement def. Et au bout de 4, c'est un bannissement au bon vouloir du modérateur, la partie gaming. Donc, une petite chose. Au lieu de dire, et je m'adresse à Anna, Lisa, Clotilde, Julie, etc., etc., et mademoiselle, comment elle s'appelle déjà? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Constance, ah oui, Constance. Au lieu de m'accuser à tort, soi-disant, que j'ai piraté des gens, que j'ai hacké des gens, vous avez des preuves? Non, toujours pas. Donc, vraiment, pour vraiment vous expliquer le truc, au lieu de m'accuser personnellement, et au lieu... directement de m'attaquer, allez attaquer le Ryan Clioa, parce que c'est lui qu'il faut aller attaquer. C'est lui et lui seul, il a une chaîne, je crois, sur YouTube qui s'appelle Kilo Romeo 737, je crois, je sais plus, enfin c'est Kilo Romeo quelque chose sur YouTube. Allez lui parler et honnêtement, posez-lui les bonnes questions, parce que ce petit gamin, il a été traumatisé par le fameux Manfred là en question qui lui faisait du chantage. Il a fait la même chose avec moi, mais sauf qu'il est tombé sur beaucoup plus fort que lui. Et je m'en occupais personnellement de lui, et après il verra, parce qu'à un moment donné, les blagues, elles ont suffisamment duré. Je remercie aussi les personnes qui sont intervenues juridiquement cette semaine en amont et en souterrain qui ont attaqué Payano, et ça c'est très bien, parce que pour une fois, des gens comme Clotilde, Anna, Lisa, Julie, etc., etc., se sont fait berner. Malheureusement, ces personnes m'accusent à tort, et on ne peut pas discuter avec ces gens, parce que c'est des gens qui ne sont pas capables de venir me parler, de se rendre compte, et à l'évidence, comme Anna d'ailleurs, et comme Marie... elles ne sont pas capables de discuter en face et de dire la vérité aux gens, de se dire est-ce que réellement, parce que moi quand je vois Marie qui m'écrit sur mon téléphone qu'elle n'est pas d'accord sur les propos des haters, mais si t'es pas d'accord, il faut couper les ponts avec eux.
Mais non, elle veut continuer. Bah alors, donc c'est que t'es d'accord. Voilà, donc c'est là où les gens sont complètement cons et sont complètement débiles. Mais ils s'achètent pas les Français ne s'achètent pas de neurones. C'est les premiers à râler, c'est les premiers après à venir se plaindre et à venir pleurnicher. Donc après, posez-vous les bonnes questions, quoi. Donc voilà, donc en tout cas, une chose est sûre, pour ce Cross the Line, j'étais ravi d'avoir pu vous commenter cet événement. Je commence à avoir l'attitude de certaines personnes, comme mademoiselle E, mademoiselle Clotilde, Anna, Lisa et Judith, qui se sont fait tous berner, et qui n'ont aucune, mais je dis bien la bulle, zéro. Zéro éducation, zéro. Zéro éducation, zéro savoir-vivre, zéro savoir-être. Il est là le problème. C'est leur comportement et l'éducation de leur famille qui ont été mal faits ou mal instruits ou mal éduqués. Voilà, c'est faut dire les choses telles qu'elles le sont. Voilà. Voilà messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire, parce que vous souhaitez une très bonne soirée. En tout cas, merci de votre fidélité et d'avoir suivi ce Cross the Line du début à la fin. J'étais extrêmement stressé et il n'y a pas eu les haters. Ouf. Mais la partie n'est pas encore finie. Voilà, sur ce, très bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao, ciao.